Aujourd'hui, on est un peu dans un second âge d'or de la lutherie qui atteint des très très hauts niveaux de compétences, de qualité artisanale. C'est un mélange d'art et de science en fait. Et c'est sûrement le meilleur moment pour être luthier dans toute l'histoire du monde. Je suis Guillaume Kessler et mon métier, c'est faiseur de violon à Strasbourg. Alors, ma spécialité, c'est toute la famille du violon, les archets, incluant l'alto et le violoncelle. On peut parler de la fabrication, la création d'un instrument de A à Z, en sculptant à partir de planches de bois, jusqu'à l'application du vernis et le montage pour le musicien. Ensuite, il y a tout l'aspect de réparation et restauration. Peut très souvent entendre des instruments, puisque les musiciens viennent les essayer sur place. Il y a aussi des cours de violon qui sont donnés juste à côté, donc ça me permet de donner pas mal de vie au lieu. Même avant que je tienne les planches, la création de l'instrument, c'est plein d'échanges avec le musicien, où il veut aller, comment il imagine son son, qu'est-ce qu'il veut faire de son instrument, pour être sûr que l'on se comprend et que c'est la bonne direction. Les musiciens, ce sont des personnes qui ont besoin d'être réconfortées beaucoup aussi. Donc juste de dire, c'est pas si grave, je vais le réparer, vous allez récupérer votre instrument très vite, ce sera comme avant. C'est aussi faire face à des urgences émotionnelles, voilà. J'organise des ateliers et des stages, principalement pour sensibiliser le grand public à ce qu'est la lutherie. Ensuite, il y a tout le travail des stages avec les musiciens qui permet de connaître beaucoup plus en profondeur l'instrument, à la fois pour l'entretien, mais aussi pour la production du son et comment trouver le bon instrument qui va leur permettre de faire ça.